Hello tout le monde, c'est Rio. On se retrouve aujourd'hui pour un test que j'attendais, mais je ne peux même pas vous le dire. Donc, je l'attendais ce test, de vous proposer, de vous donner vraiment mon avis sur le nouveau Call of. Franchement, je vous explique. Je suis sur ma chaise, je vous parle de ça. Au moment où je vous parle de ça, je viens de casser la poignée de la chaise. Pour vous dire tellement, ce Call of Duty Ghost, excusez-moi, c'est une merde. Voilà, c'est tout simplement une merde. Je vais commencer le test de cette manière-là. Je sais que ça va être hardcore. Je sais qu'il y en a certains qui vont me dire, mais pourquoi tu critiques autant le jeu? Pourquoi tu es aussi dur avec ce dernier Call of? Mais je vais vous donner mon avis. Et je vais vous expliquer, je vais développer. Et vous peut-être vous comprendrez que j'en ai ras le cul de voir des merdes pareilles sortir. C'est vraiment prendre les gens pour des cons. Mais vraiment, se foutre de la gueule, on vous met voilà, un système de clan, un truc pourri en plus qui fonctionne même pas, qui est bugué, tout ça. Mais pour vous dire, même dans le système de clan, c'est pourri le truc, il est plein de bugs, il est dégueulasse, c'est une arnaque. Tout simplement, c'est une arnaque. Là, c'est un foutage de gueule de classe internationale. Alors, juste, je tiens à dire quelque chose. Dans la vidéo de Call of, mon Elgato, il m'a joué un petit peu des tours. Donc, des fois, j'ai eu des figeages d'écran et tout ça. Donc, vous inquiétez pas, des accélérations et tout. À l'arrivée, ça se règle tout seul. J'avais connu le même problème dans une vidéo précédente que j'avais fait. C'était la vidéo du gameplay de Wood Jedi. Mais là, ça va me faire un petit peu la même chose à certains moments. Bon, c'est mon Elgato qui m'a joué des mauvais tours. Donc, voilà, on est sur Ghost. Alors je vous explique. Moi, ce jeu, je l'attendais vraiment. Le pire, c'est pas ça, c'est que je l'attendais vraiment sous Ghost. Je peux pas dire que tout le monde le critiquait déjà avant qu'il sorte et tout ça. Moi, je dis non, je veux lui donner une chance. Je veux voir ce que ça donne. Ça a l'air sympa. Ils ont mis une nouvelle licence dessus, parce que bon, il y a la série des Black Ops, il y a la série de Modern Warfare. Je me dis peut-être qu'ils veulent innover, peut-être qu'ils veulent nous apporter quelque chose et tout ça. Et ben, si, bon, oui, ils nous ont apporté. Il porte bien son nom. C'est vraiment un fantôme. Ce jeu, c'est un jeu de fantôme. Il va être fantomatique. Et pour moi, les mecs qui jouent à ce jeu, je comprends pas. Tout simplement, je peux pas les comprendre. Comment on peut jouer à ce jeu. Là, vous allez voir au début le gameplay, c'est assez accéléré, comme je dis, c'est mon Elgato qui m'a joué des tours. Donc là, je joue avec une Honey Badger, une arme assez pratiquée dans le dernier Call of Duty Ghost et tout ça, avec viseur réflexe, silencieux, machin. J'ai même pas, je vais vous dire un truc, j'ai même pas envie de parler de classe, j'ai même pas envie de parler des armes, j'ai même pas envie de parler de quoi que ce soit de ce jeu, j'ai juste envie de dire mon coup de gueule, quoi. C'est un foutage de gueule. C'est comment on peut nous pondre une merde pareille. Je vais vous expliquer. Je vais arrêter de dire que c'est une merde et je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est une merde, tout simplement. On vous met un jeu qui, apparemment, tout comme le dernier Battlefield 4, va être donc qui est programmé apparemment sur une nouvelle génération de consoles. Mais dans ces cas-là, ne me le sors pas, le jeu, mec. Ne me le sors pas. Si tu vas faire un jeu qui est programmé pour les nouvelles générations de consoles, eh bien garde-le pour les nouvelles générations, fais-moi un truc révolutionnaire, fais-moi un truc qui te pète à la gueule, qui fait plaisir à la communauté, mais ne le sors pas. Fais-nous tirer sur Black Ops 2, fais. C'est pas grave, on aurait pu attendre. Sur Battlefield 3, c'est pareil, à mon avis. On aurait pu attendre, il n'y a pas de problème. De toute façon, on attend les nouvelles générations de consoles. Mais c'est pas grave, ne me sors pas une merde pareille, c'est pas possible, c'est inadmissible. Si. Je veux dire. Allez, je vais même pas chipoter sur les graphismes, machin, moteur graphique et tout, parce qu'on dirait, ça me rappelle Call of Duty 1, ça me rappelle tellement le jeu, je dirais, si. Voilà, c'est toujours pareil, si. Moi, de toute façon, déjà à la base, ceux de Infinity War, je suis pas fan. Au niveau graphisme, je préfère personnellement les Black Ops. Parce que je les trouve plus dynamiques au niveau graphisme, plus coloré, plus sympathique, plus agréable à jouer. Moi, je joue à un jeu vidéo, c'est pour m'amuser. Je veux pas vous faire le mec. Parce qu'il y a pas mal de mecs dans la communauté qui sont là, dire ouais, Call of Duty 4, c'est le meilleur et tout ça. Alors qu'ils ont jamais joué au jeu, ils savent même pas c'est quoi Call of Duty 4. Tout simplement parce qu'ils ont entendu de vrais mecs, justement, qui ont joué, qui sont nés avec Call of Duty 4. Ces mecs-là, ils ont découvert Call of Duty avec
Code 4, justement, et ces mecs-là peuvent se permettre de donner leur avis. C'est comme que ça me rappelle les fans de Final Fantasy qui ont découvert avec le 8, le 9, le 7, le 10, et qui viennent vous dire FF6 c'est le meilleur, alors qu'ils ont même pas. Genre, un mec qui vient qui te dit Final Fantasy 6 c'est le meilleur, Call of Duty 4 c'est le meilleur, c'est parce que le mec, c'est son époque, et il a été percé avec ce jeu-là, donc il peut se permettre de dire ce jeu est le meilleur. Mais moi, à titre personnel, par exemple, je me suis lancé dans les finales avec le Final Fantasy VII. Ben pour moi, le Final Fantasy VII, ben, c'est mon coup de cœur de tous les Final Fantasy. Exemple, c'est juste pour donner un exemple. Ben, les Call of, moi, c'est pareil. Moi, personnellement, je suis plus fan de Black Ops 1. Et d'ailleurs, le récent Black Ops 2 que je critiquais à la fin pour les problèmes de connexion et tout ça, franchement, quand je retourne dessus, je prends du plaisir. Quoi. J'ai eu les colorés, les scores stricts, les machins, les ceci, cela. On a toujours les problèmes de connexion, machin et tout. Bon, ok, mais. Je préfère avoir limite, je vais vous dire un truc, je vais vous choquer parce qu'on m'a parlé de serveur privé dans ce jeu, c'est pas vrai, c'est une foutaise. Il n'y a aucun serveur privé, ils nous prennent pour des cons, il n'y a aucun serveur privé. Vous savez ce qu'ils ont fait, tout simplement? Ils ont fait ils ont essayé de faire du Battlefield à travers un Call of Duty. Et faire du Battlefield à travers un Call of Duty, ben, si jamais tu joues un Battlefield, moi je vais sur Battlefield, je ne joue pas Call of Duty. Un code, tu me traces. Un code, il faut qu'il garde sa base. C'est quoi sa base? Sa base, c'est quoi? C'est que tu as un mec qui te tire dessus. Ben ouais, d'accord, des fois on a des lacs de compensation, des machins et tout, comme dirait l'Égypte. Mais un mec qui te tire dessus, et ben on te donne une chance de faire un turn, de te retourner, de le tuer. Sauf que dans ce jeu, ils t'ont mis des maps géantes qui sont programmées sur la PS4 et la Xbox One. C'est normal parce qu'on va jouer 12 contre 12, quand même, pour ceux qui savent pas. Donc c'est normal, ça va plus vite 12 contre 12. Mais sauf que là, tu joues en équipe à 4 contre 4 ou tu joues à 6, et ben tu as que des plots qui sont couchés et qui t'attendent pour te démonter. Là je fais une partie, je fais 14 à 3, mais franchement elle est dégueulasse la partie, elle me plaît pas, elle me plaît pas. Elle me plaît pas, j'ai aucun plaisir, j'en vois rien, c'est pour envoyer une clé bord et une chaîne qui sert à rien, qui est à côté de toi, qui te regarde. Genre à un moment donné, il faut arrêter. Ça c'est même pas le problème, c'est des scores strict qui sont dégueulasses, ils ressemblent à rien. Sur Black Ops 2, je suis pas un mec qui a besoin de score strict pour jouer à un Call of. Enfin, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. C'est pas ce que j'ai dit. C'est tout simplement parce que ça amène son plus quand tu fais beaucoup de kills, le kiff de t'envoyer des gros score strict. Je parle pas des mecs qui sont obligés de prendre 14 drapeaux pour envoyer les chaînes. Je parle des mecs, des vrais fans de Call of qui savent jouer, qui savent jouer. Je parle de ces gens-là, qui apprécient le jeu, qui kiffent les Wii, qui kiffent les Loadstar, etc. Qui kiffe le gameplay rapide, qui kiffe des armes dignes de ce nom, c'est quoi ce jeu? C'est quoi ce... Tu marches, tu as un plot qui est couché depuis une quart d'heure, qui te tire sur la cheville et qui te tue. Et tu n'as aucune chance de le tuer. Celui-là, c'est en gros, c'est un jeu de western. C'est celui qui voit le premier qui tue l'autre. Voilà, tu as zéro chance de survie. Mais on n'est pas dans du Call of Duty, là. Ils vous ont fait un mode normal en hardcore. Si j'ai besoin de jouer en hardcore, je vais jouer en mode hardcore. Je joue pas en mode normal. Et bien là, je joue hardcore d'entrée. Mais c'est quoi ce délire? Déjà qu'on avait une communauté sur Black Ops 2 où tu avais de plus en plus de campus, de plots, etc. Mais limite, tu allais les dénicher, ces mecs-là. Il n'y a pas de souci. Mais dans ce jeu-là, tu peux rien faire. Ils te rendent de fou, les mecs. Tu as envie de les taper, tu as envie de les tabasser. Et les mecs, c'est le pire, c'est qu'ils sont fiers. Et en gros, ils t'ont pondu un jeu de merde. Pour des mecs qui savent pas jouer dans un jeu de merde. Donc voilà, en gros c'est ça. C'est aussi simple que ça. Donc là je vais vous proposer une partie au snipe pour que vous voyez un petit peu évidemment le multi, comment ça se passe, en direct commencer et tout ça. Là je veux dire ça va, les parties sont pas dégueulasses en plus. Mais il y a des parties, je peux vous dire, vous tombez dans des parties. Mais vous dites c'est pas possible. Mais c'est pas possible qu'il y ait des mecs comme ça qui existent. Si. Là en plus je vais faire du machin, moi. Je exprès pour le gameplay, j'essaie de gérer un peu, de faire comme ces gens-là, justement. C'est-à-dire du super hardscope, je reste en position fixe et j'attends. Moi c'est pas ma façon de jouer, personnellement je suis un rusher, je suis un rentre dedans, je suis fureux et j'adore courir dans tous les sens. Ben là du coup je fais du. Pour pouvoir vous proposer une partie un peu correcte, je suis obligé de faire du entre guillemets ma salope. Voilà. Chose que je supporte pas. Mais évidemment, pour vous proposer, vous, pour que vous voyez c'est quoi ce jeu, je ne le supporte pas. Pour moi, c'est la pire arnaque du 21e siècle, carrément. Je vais carrément aller comme ça. Call of Duty Ghost, c'est une arnaque. C'est une arnaque. C'est une merde. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Du coup, moi, je vais vous dire un truc, honnêtement. Ben,
On va dire un truc simple. Pour moi, Call of sur les générations actuelles, il s'arrête sur Black Ops 2. Voilà, tout simplement. On a eu la chance d'avoir les Modern Warfare 2 qui étaient magnifiques. Un Black Ops remis du nom, vraiment super génial. Un BO2 finalement qui tient. Quand vous voyez ce qu'on vous propose, mais finalement qui tient plus que la route. Le fameux code 4 justement pour les vraiment pour les mecs qui savent c'est quoi un code, mais qui les premiers quoi qui peuvent se permettre d'en parler eux. Voilà, on a eu des séries, ça va me permettre un peu de résumer aussi parce qu'on va passer sur une nouvelle génération de consoles. Ben, on a eu des codes vraiment génial, c'est ce qui a fait qu'on est devenu fan, qu'on s'éclate à jouer dans ce jeu, à se fatiguer, à se mettre des crises de nerfs, à faire des compètes, à faire ceci, cela, à se casser le cul. Mais c'est quoi ce jeu? Mais c'est quoi ce jeu? C'est quoi cette merde? 70 balles pour ça? En plus derrière on vous propose l'arnaque. Ouais, pour 10 euros de plus, vous pouvez l'avoir sur PS4. Mais va te faire foutre, je le veux même pas. Je l'ai en plus, je veux dire, je mets 10 euros sur la PlayStation 4, je vais l'avoir le jeu. Mais je le veux même pas, il me dégoûte ce jeu. Il me dégoûte, le pire c'est que je l'ai, je suis obligé de le garder. C'est ça qui m'énerve encore plus parce que je l'ai acheté sur le PlayStation Store. J'ai même plus quoi vous dire. Il me dégoûte. Et je comprends pas comment il y a certains mecs qui peuvent passer sur YouTube, vous dire ouais, salut, c'est Call of Duty Ghost, je vous présente le nouveau Call of, qui est génial, qui est sympa, qui est machin. Alors je dis pas, vous allez me dire les goûts et les couleurs, ça se discute pas, ok, y a pas de souci, je suis d'accord, chacun il a ses préférences. Mais comme je vous ai dit, j'ai jamais lynché autant un jeu. J'ai jamais été aussi critique avec un jeu. Des fois, il y a des jeux quand ça ne me convient pas, bon, je dis, bon, je suis moins fan et tout ça, mais évidemment qu'il trouvera son public. Mais celui-là, comment les mecs ils peuvent proposer ce jeu? Déjà, comment Activision peut se permettre de sortir une merde pareille? Et comment surtout, il y a des youtubeurs ou des mecs, des testeurs de magazines de jeux vidéo, qui peuvent se permettre de dire que ce jeu, il le conseille aux joueurs? Comment? C'est un scandale. Ces gens-là, pour moi, c'est la merde de l'Activision. C'est des mecs qui sont... Excusez-moi, c'est des pédales à vélo. Voilà, c'est des pompes à vélo, pardon. Excusez-moi, c'est des pompes à vélo, ces gens-là. C'est des pompes à frites, c'est des boobas. J'aime dire c'est des boobas, c'est des pompes à vélo. C'est des mecs qui sont là, ils font du fric. Voilà, que du fric. Ok, d'accord, mais sûr qu'on a besoin du fric. Les anciennes versions aussi faisaient du fric. Bien sûr, moi je veux pas faire le mec, ouais, c'est cher, machin ou quoi, je sais pas quoi. Je suis acheteur, je fais pas mon rendez-vous, je me procure tous les trucs en plus pour pouvoir. Voilà, parce que je suis passionné. Mais ça, non. Ça, je révoule qu'il y a quelqu'un qui me dit ce que je suis en train de vous dire. Comment on peut proposer une merde pareille? J'ai même pas envie de jouer. Là, je vous fais le test parce que je voulais tellement vous en parler de mon ressenti sur cette version-là de ce dernier Call of Duty. Mais pour moi, c'est même pas une Call of. C'est... Ah oui, il faut jouer un spécialiste, ouais, génial. En plus, il y a plein de glitchers déjà, il y a plein de... Le jeu, il est sorti du premier jour, il y avait déjà des mecs avec 600 atouts. Il faut arrêter. Ok, les glitchs, c'est bien, c'est cool, c'est sympa, machin, je fais des glitchs dans GTA, je me suis fait 4 fois 6 sous pour acheter 4 bagnoles. Ok, mais c'est quoi, c'est... Mais c'est quoi ce jeu? C'est quoi ce jeu? Les premiers jours de sortie, en plus, je crois que le jeu, il était même... C'était possible de le hacker pour l'avoir gratuit, je sais pas quoi. Ouais, mais moi ça me convient pas, moi je suis désolé, je paye 70 euros le jeu, je l'achète comme une merde. J'ai acheté le saison pass en plus, j'ai même pas cherché à comprendre, j'ai acheté le saison pass et le jeu. Au total, ça me fait 120 euros les gars. 120 euros dans cette merde. 120 euros dans cette merde. Mais merde à la fin. Merde, j'ai envie de dire merde, mes couilles, pardon, excusez-moi le terme, mes couilles. Voilà, ça me gonfle. Là, je joue au snipe, j'ai fait une 13-12. Je sais même pas comment j'ai fait pour le faire, ce 13-12. Voilà, en faisant ma salope, voilà. Alors, regardez-moi lui. Et voilà, champignon. Voilà. Vous voyez que des mecs comme ça. Et lui, encore, ça va, il était en mouvement juste avant. Dites-vous qu'il y en a qui sont couchés comme ça avec leur snipe qui t'attendent. Tu veux pas péter les plombs. La dernière fois, il y a un mode de jeu. Je vous montre même pas dans la test. La fois je joue, il y a un mode de jeu, ils ont appelé ça enragé. Soit disant c'était le mode révolutionnaire, ils avaient annoncé pour les rushers, justement pour pas que les on tombe sur des campeurs pareils et tout ça, ça nous foulait des campeurs et tout, donc je joue en enragé. Je joue en enragé, je suis en triple kill, donc je vais pour tuer mon quatrième mec. Je suis en train de courir, donc je rush quoi, normal.
Je respecte le mode de jeu. Je rush et je draw short. Genre, si je veux faire ma salope, je vais dans un autre mode de jeu, je fais ma salope avec d'autres salopes. Non, moi, je joue dans un mode de jeu où, justement, il y a des mecs comme moi qui ont envie de découdre. Ben, je joue. Devinez quoi, je suis à mon troisième kill. Alors ça m'a, j'ai dit, ah, c'est bon, j'arrête tout parce que je sens que je vais casser la console. Je peux même pas casser le disque parce que parce qu'il le jeu est dans ma PlayStation. Donc si je casse, je vais être obligé de massacrer ma Play 3. Et j'ai pas envie. Et j'ai pas envie pour ce jeu de merde. Ben, je suis en train de courir, je vois un sniper à côté d'une cage d'escalier, couché, un hardscope, et il m'attend, et il me tue. Et on est dans un mode enragé. C'est-à-dire le monde où il faut bouger et tu as 30 secondes pour tuer des mecs sinon tu exploses. Donc je sais pas, moi le mec il a peut-être pas compris le concept du jeu. J'en sais rien, peut-être qu'il a pas compris le mode de jeu. Je sais pas, je veux bien. Là je vais vous faire pour la troisième match, donc, je vous ai proposé la Honey Badger pour vite fait pour que vous voyez ce que ça donne, vous le fusil d'assaut. Je vous ai proposé une partie au snipe. Et là pour la troisième match, je vais vous proposer donc limite j'ai envie de dire le seul tableau que je trouve un peu agréable à jouer. Ouais, voilà. C'est celui-ci, c'est ce tableau-là dans le chapeau. Je vous propose une partie à un spécialiste. Donc, je vous ai montré avec les score tricks à peu près ce que ça donnait, c'est-à-dire les score tricks de merde. En gros, un chien, une tourelle, des satellites OD, des satellites Loki. Enfin, ils sont plein de satellites dans ce jeu qui servent à rien. Et là, je vous fais la partie donc à un spécialiste. Alors spécialiste c'est quoi vite fait, je vous le dis quand même, j'ai même pas envie de le dire mais je vous le dis quand même parce que c'est le test du jeu quand même, faut vous parler un petit peu du jeu. Voilà, bon ben le spécialiste et comme dans Modern Warfare 3, en gros vous avez vous débloquez des plus vous faites des kills, en gros au lieu d'avoir des score streaks, vous débloquez vous privilégiez des atouts supplémentaires, en gros je sais pas moi si vous êtes mis tracker au radar et as de la gâchette, mais derrière quand vous allez faire du kill, vous allez débloquer pillard, etc., etc. Voilà, bref, voilà. Mais franchement, j'y allais pas. Je sais que vous allez trouver ça dommage. Je sais que ça fait pas pro, ça fait pas bien. J'ai même pas envie de parler du décor. J'ai même pas envie de parler des maps. J'ai même pas envie de parler des modes de jeu. Vous allez me dire pourquoi tu fais le test alors dans ces cas-là, si tu casses le jeu. Ben je le fais tout simplement parce que moi ce jeu il me dégoûte, ce jeu il m'énerve parce que j'ai payé sur 120 balles tout simplement avec la saison pass, 120 euros pour ça. Et moi je suis désolé, je suis un joueur, je suis un passionné, j'aime les Call of Duty et c'est pas pour jouer à ça, c'est pas pour qu'on me propose une merde comme ça, c'est pas pour avoir ça. Je rage même pas contre le mec là qui vient de me tuer, je rage même pas contre lui, je rage contre ce qu'ils ont fait, contre ce qu'ils ont fait. En gros, on se plaignait déjà avant des plots, des campeurs qui servent à rien, au limite ça ne faisait pas peur parce que quand tu bouges, tu es en mouvement, ben, les mecs, ben, tu fais quand même ton affaire. Sauf que dans celui-là, on te pousse à ce que j'appelle les tourelles automatiques. Moi, c'est des mecs qui restent sur place, qui tournent juste pour voir s'il n'y a pas un mec qui passe. Je crois qu'à un moment donné, je vais me faire tuer en plus par un mec comme ça. C'est une tourelle automatique, le type. C'est une tourelle automatique. C'est... Voilà, c'est pas pour faire mon noob, c'est pas pour faire le mec, je sais pas, comme il dit Alex, ouais, mais le ghost, parce qu'Alexandre, il aime bien le ghost. Au début, il aimait pas, maintenant, il me dit, il aime bien. Il me dit, ouais, mais je joue avec ta tête, pas avec ta bite. Ouais, mais désolé, mec, moi, c'est même plus une question de jouer avec ta tête, pas avec ta bite. Je suis un rocheur, j'aime jouer. Ils te mettent des maps de 600 km. Sur un putain de jeu, avec des maps de 600 km, avec tu mets une balle et tu arroches le mec. Voilà, là, le mec, il a 5 campouses. Bon, moi, je bouge, ben, je tombe dessus. Ben, voilà. Si vous allez me dire, ouais, ben, tu le tues, ben, tu fais tes kills. Alors, de quoi tu te plains? De quoi je me plains? Je me plains qu'il n'y a pas de beauté du jeu. Le gameplay, un Call of, il a besoin de tout cet ambiance, de tout cet univers, de tout ce qu'on a vu avant. Regardez, voilà, tourelle automatique. J'ai laissé l'exprès le ralenti pour que vous voyez le mec. Un Call of, il a besoin de tout ce dynamisme de jeu, il a besoin de tout ça. C'est quoi cette merde? Mais pour qui vous nous prenez? Je vais même pas, à la fin du test, je vais même pas lui donner une note à ce jeu, parce que si je lui donne une note, ça serait moins 20. Je vais lui donner une note, ça va être un scandale. Vous allez me dire, c'est un rageux, le mec qui est au micro, là, qui est en train de vous faire le test. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Je suis scandalisé, je suis choqué qu'on me propose un jeu où je suis obligé de faire ça. Regardez ce que je vais faire là, à un moment donné, c'est pas ça, c'est même pas ça, regardez, je vois sur le radar, regardez, hop, vous allez voir,
J'aime pas jouer comme ça. Ouais, beaucoup. Mais c'est pas un jeu, ça. C'est pas un jeu, ça. Même moi, je suis obligé de faire des saloperies. Je veux dire, moi, j'aime pas faire des saloperies, mais même moi, je suis obligé de faire ma salope. Bref, Ghost, pour bien son nom, pour moi, c'est l'épisode fantôme des Call of. Pour moi, c'est un épisode qui. C'est malheureux ce que je veux dire, mais pour moi, il n'existe pas. Pour moi, ce jeu n'est jamais sorti. Et pour moi, en tout cas, les copains, je vous dis un truc, vraiment, sans hypocrisie. Peut-être ça vous plaît, peut-être vous aimez, tout ça, je critique pas, je juge pas. Chacun il a ses convictions, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais moi, en tout cas, à titre personnel, je vous conseille pas ce jeu. Moi, je vous conseille pas ce jeu. Je vous conseille de faire l'impasse carrément sur ce jeu. Tout comme, voilà, Battlefield, je veux dire, j'ai fait le test, j'ai pas été dur, j'ai pas dit n'importe quoi, parce que, voilà, je veux dire, bon, j'ai expliqué que c'était pour les mecs qui ont sur Battlefield 3, pour faire l'impasse limite et le prendre sur les nouvelles générations. Mais lui, je vous le conseille même pas sur les nouvelles générations. C'est une merde. En tout cas, à titre personnel, gros fan de Call of, j'attends Black Ops 3 avec impatience, en espérant qu'il le fasse évidemment, parce que bon, moi je suis plus fan des versions Triarch que des versions Infinity War. Déjà, bon, c'est titre personnel. Donc j'attends Black Ops 3 avec impatience sur PS4 et Xbox One. Et voilà, je suis désolé si j'en ai choqué certains pour mes commentaires. Si peut-être ça vous plaît pas, ça vous déplaît. En tout cas, moi, je préfère vous le dire, mon ressenti, à chaud, comme ça. Enfin, même limite, je suis pas à chaud, je suis à froid. Parce que si je parlais à chaud, je veux dire, ce serait catastrophique. Donc, je peux pas me permettre de faire ça. Donc voilà, moi, je vous conseille pas ce jeu. Voilà, on va finir le gameplay comme ça. Voilà, pour moi, c'est une blague. Voilà, c'est une blague. Et moi, je dis franchement, Activision, là, c'est la goutte d'eau. C'est la goutte d'eau. C'est vraiment, c'est la goutte d'eau. C'est la goutte d'eau. Bon, voilà. Bon, les amis, je vous dis à bientôt sur des prochains tests sur la chaîne, sur un BTV, avec moi, avec mes camarades. Désolé pour certains si vous n'avez pas compris. Si vous n'avez pas compris. Mais voilà. Bye bye, à bientôt. Un allié a une armure mastodonte.